c'était mon travail de renouveler la rue commerciale en général. Je travaille un peu comme syndicat d'initiative ici sur Smith Street. Et c'était une idée qui est venue parce que de plus de Français sont venus habiter dans le quartier, ouvrir des boulangeries, pâtisseries, restaurants, etc. Il faut dire aussi que je suis mariée, je suis américain, mais mariée pendant 40 ans avec un Français. J'étais toujours francophile un peu. J'ai connu le monsieur qui a l'industrie pour faire du ciment, et il avait des gros piles de sable dans son yard, et il a dit oui, je vais amener du sable. Et c'est commencé comme ça. Ça fait maintenant, je dis, 9 ans. Une grande compagnie de ciment ici à New York amène le sable gratuitement pour ça, et c'est la fête. Je crois que un peu j'ai essayé de le cultiver une fois que ça a commencé. Mais je crois que le quartier est assez ancien, les bâtiments sont assez bas. C'est beaucoup plus européen de qualité de vie dans un quartier comme ici. Et ça a attiré beaucoup de Français. Et une fois qu'ils ont commencé à habiter dans le quartier, l'école publique a commencé à avoir un programme bilingue, anglais-français. Et ça a attiré encore plus de jeunes familles de venir dans le quartier. Et c'est devenu encore un des petits France de la ville de New York. Et c'est ce qu'on voit sous les arbres dans le midi, en Provence, quand on joue aux boules. Oui. Oui. Je dois dire aussi que mon mari, qui est à côté de moi là, a travaillé pendant 25 ans pour Club Méditerranée. Donc, on a connu un peu comment les Français font la fête. On a essayé de refaire un peu de ça sur Smith Street. Ricard et Lillet, absolument, ça ajoute à la fête. C'est là où les vrais Français qui habitent à New York veulent venir fêter leur jour. C'est le plus important pour les vrais Français qui habitent ici. Alors, venez partager la journée avec les vrais Français new-yorkais.